Trouver un toit, du moins un abri, est primordial pour les migrants subsahariens au Maroc, souvent en situation précaire. Pourtant, souvent, cela se révèle être un véritable calvaire. Beaucoup vivent dans les grandes villes ou à proximité. La plupart, notamment les plus pauvres, se retrouvent isolés dans certains quartiers. C'est comme en France, hein. Quand tu vas dans les quartiers soi-disant difficiles, il n'y a que les gens qui ne sont pas intégrés, qui se regroupent, ils sont isolés. Et c'est le système qui fonctionne comme ça. Il y a aussi parfois les gens, ils habitent parce qu'ils ont un voisin qui habite, parce qu'ils ont un ami qui habite, parce qu'ils ont leur communauté qui habite ou parce qu'ils ont le foyer qui est. Parce que aussi, les revenus en général, le logement est beaucoup moins cher dans ces quartiers-là. Moins cher et souvent non déclaré. Certains documents sont difficiles à obtenir. Je pense juste au contrat de bail, par exemple, où on sait qu'au Maroc, un certain nombre de bailleurs ne déclarent pas leurs locataires. La location non déclarée, ajoutée à la précarité, conduit à des conditions de logement très souvent rudes. Nous nous sommes rendus dans les quartiers de Boukhalef, à Tanger, et Takadoum, à Rabat. De nombreux appartements, et même des immeubles entiers, sont surpeuplés. L'insalubrité y règne. Une personne ne peut pas prendre l'appartement comme ça seul. Ça sera difficile pour lui de payer. Donc c'est mieux, pouvait rester 7-10 personnes pour cotiser un peu à la fin du mois de payer. Là, vous vivez à combien dans cet appartement? Oh, ici, on est 12. On est 12 personnes. Voilà, dans cette chambre-là, on est ici 4 personnes. Oui, c'est un peu difficile. Ça me coûte 250 dirhams. Pour combien de temps? Un mois. Ici, là, c'est Takadoum, c'est les favelas, mon frère. Est-ce qu'on a un phénomène de ghettoisation? Alors, le phénomène de ghettoisation n'est pas encore. On n'est pas encore arrivé au niveau de. Comme le modèle européen. C'est pas. C'est pas officiel, ça ne vient pas de l'État. C'est-à-dire que c'est pas l'État qui va dire voilà, on va faire. Les migrants doivent s'installer dans ce quartier-là. Ou bien on va construire des logements. Typique pour les personnes régularisées, on va leur dire voilà, vous habitez dans ce quartier ou un truc. Il n'y a pas de. C'est pas formel. Mais c'est vrai que la plupart des personnes en migration qui viennent du Maroc, ils ont tendance à s'installer dans des quartiers où le coût, par exemple, ça coûte moins cher de louer une chambre ou ça coûte moins cher de louer un appartement. La drogue et la violence sont souvent évoquées par les locaux lorsqu'on les interroge sur ces quartiers. Souvent considérés à tort comme exclusivement pour les Noirs. Pourtant, bien que les communautés subsahariennes y semblent surreprésentées, des personnes précaires d'autres origines, notamment des Marocains, y vivent. Tout le monde qui vit ensemble, même si il y a une certaine précarité, mais là-bas il y a plus de vivre ensemble que dans le quartier Agdal, au Hériad, au Suisse, ou dans les quartiers typés, on va dire. On aurait bien voulu vivre dans un bon appart aussi. Sortir, rencontrer des gens éduqués, des gens avec qui tu peux dialoguer. Mais on est toujours contraint à sortir, rencontrer des couteaux, des comportements un peu, tu vois. Donc, c'est comme si on est recasé dans un coin, on ne se sent pas à l'aise, mais on vit. En dehors de ces quartiers, d'autres personnes dorment dehors, en forêt, dans des tentes, des grottes ou n'importe quel abri de fortune. La plupart de ces campements se trouvent à proximité des frontières terrestres avec les deux enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. La vie en forêt, ça a ses avantages et ses inconvénients. Pourquoi je dis ses avantages et ses inconvénients? Parce que tu vis en plein air, t'as pas de trucs à payer, t'as pas de factures à payer. Tu vois un peu, c'est toi, ta charge c'est toi, ton problème c'est toi. Mais par-dessus le fait qu'elle coûte bien moins cher, la vie en forêt est surtout une étape indispensable avant une tentative de passage de la frontière espagnole. J'ai quitté Takadoum, je suis parti en forêt. Pour aller essayer d'entrer en Europe. Et là-bas, tu es là-bas, c'est l'enfer. On est caché dans les arbres. Tu vois les animaux, il y a toujours des animaux. Il y a même des serpents dans la forêt. Tu vas vivre comment? Tu es déjà comme un singe. À l'écart des regards, pour échapper aux autorités, ceux qui vivent en forêt se retrouvent totalement isolés. Là-bas, en forêt, il y a beaucoup de misère, beaucoup de gens qui meurent là-bas à cause
de la nourriture, manque de nourriture. Trouver sa nourriture y est très difficile, à tel point que beaucoup fouillent dans les poubelles. D'autres sont même contraints de chasser le sanglier avec des couteaux et des pièges qu'ils fabriquent eux-mêmes. Il y a des jours qu'on ne mange pas. Et vous vous couchez à terre nu, sans couverture, sans rien. Il y a même des poux qui entrent des fois sous vous. Et qui fait que d'autres personnes se commencent à s'écrater. Au corps des manches, il y a de la maladie. Il y a de la maladie. La plupart des gens tombent malades. Ceux qui y ont vécu estiment que le quotidien y est encore plus difficile que dans les ghettos. Parfois vous dormez dehors, parfois il y a des clochards qui peuvent vous violer dans la forêt. Quand ça n'a pas marché, je suis arrivée ici à Boukalef. Mais j'ai trouvé qu'à Boukalef, c'est pour moi, je suis calme à Boukalef avec les enfants. Le problème du logement est malheureusement loin d'être le seul facteur d'exclusion.